Salut, ce soir nous sommes avec Orias. Bonsoir. Donc pour bonsoir. Leur sortie du nouveau CD. Salut, bonsoir. 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 Donc Orias, qui veut me présenter un peu le groupe, comment vous l'avez constitué, parce que c'est un groupe qui a 2 ans. Et demi. Deux ans et demi. Ça compte que demi. Allez, on y va. Allez, en 2015, on se dit, allez hop, on fait quelque chose de sympa, on se réunit, on fait un petit programme, on se fait quelques arrangements, puis on se dit, bah allez, on part en fait nose. Et puis bah c'était le début d'une aventure. Et puis bah aujourd'hui, bah on est là pour fêter ensemble un événement que tu connais. Oui, votre gros fish nose, puisque là il y a énormément de monde pour la sortie du nouveau CD. CD qui sera disponible du coup pour nos amis internautes à partir de janvier de l'année prochaine. Et puis on précommande pour ceux qui ont participé à l'aventure. Exactement. Il fallait que je place. Il prononce jamais les X. Jamais. Les X. Exactement. C'est pour ça, en fait, ça devait être Oriax. C'est pas ça. Mais on a sauvé. Alors, bah, d'abord, un grand merci à tous les souscripteurs. Merci à eux parce que c'est un soutien. Et puis ce soutien, bah, voilà, on est très reconnaissant. Après, on a donc une distribution, bah, on va dire pendant les fest-nos. Donc avec une belle année 2018 qui s'annonce aussi, avec quelques fest-nos, avec Orias. Et puis, une vente, une distribution par Coborez à partir de janvier. Dans les bacs. Et dans les bacs. Voilà. Merci à vous. Donc si on parle un peu du groupe, voilà, Orias qui est une musique traditionnelle mais plutôt un peu électrique avec guitare, sèche guitare basse. Quel style vous avez voulu donner en fait au groupe hein? Alors là c'est la colle. Non c'est pas la colle, je pense que je parle beaucoup. Hein, moi j'ai envie de dire le son il s'est créé de manière naturelle où chacun avait envie d'apporter quelque chose de particulier. Une visée en particulier. Non, ça s'est trouvé au fur et à mesure, je pense, du répertoire, de l'arrangement, et puis je crois qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, quoi. Personnalité, ouais. Ouais, à un moment donné, il y a eu. Oh putain. De personnel, ça tous. Ouais, ça sonne. De personnel, parce qu'au final, quand toi t'es rentré, c'est là que ça a pris aussi une ampleur. On s'est retrouvé par rapport à la formule. La formule s'est stabilisée, le son s'est développé et. Mais c'est vrai qu'on a vu votre son, en tout cas la musique a un peu évolué depuis 2 ans. Voilà, moi je trouve un peu plus électrique, ouais, dans le bon sens, hein, un peu affirmé. Plus rock. On s'affirme, je trouve que c'est plus affirmé en fait. Mmh. Ouais. Oui. Voilà, c'est plus intégré. Et on l'assume. Ouais, on l'assume parce que c'est quelque chose c'est qui. Parce que c'est affirmé, ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, mais voilà, ouais, c'est. Ah, en 2 mots, affirmé. Non, mais il y a côté, on se sent plus à l'aise aussi. Ouais. Tu veux, oui. On tâtonne, et au bout d'un moment, ça se stabilise. Ça nous parle. Et le travail du disque, il a fait aussi pour beaucoup, parce que du coup, en enregistrement, on est un peu comme si on était un peu tout nu, et donc, du coup. Ça nous perd des choses. Faut s'assumer comme on est, quoi. Bah, oui.
c'est pas au détriment du voilà du terroir, parce que ça reste de la musique à danser, de la bonne musique à danser. Hein. D'ailleurs, au niveau des terroirs, vous faites de la musique vraiment variée, avec du musique du 44, hein, parce qu'il y a Ridée de la Turballe. Bon, après, on repart sur Ridée de Guillac et d'autres morceaux. Comment vous avez construit justement ce répertoire? Comment vous avez choisi ces morceaux? Voilà. Désolé, c'est pour toi. Non, mais je pense qu'il y avait une volonté déjà d'un terroir 44 déjà, ça on le dit très ouvertement. La volonté aussi de faire peut-être des danses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Fichnos. Je pense que tu l'as parlé de la Ridée de la Turballe. Puis il y a d'autres danses hein, qui sont plus ou moins dansées en Fichnos. Nous, on a voulu vraiment. Voilà, passer le pas, et puis là on voit bien ce soir que bah, c'est une danse qui, est, voilà, qui a vraiment sa place. Oui, elle a bien pris. Maintenant les danseurs ont répété, ils sont entraînés, parce que tout le monde dansait voilà, de la turballe sans problème ce soir. Sans problème, et pour rien cacher, quand on s'en va dans d'autres contrées, mais que ce soit en Bretagne ou en Bretagne, la Ridée de la Turballe, ça y est, c'est ancré quoi. Et je pense qu'il faut quand même se rappeler les années où certains groupes ont amené, je sais pas, le Rompelutier, le Rond de Saint-Vincent. Oui. Et puis là, aujourd'hui, bah, nous, on a amené la Ridée de la Turballe, mais on aurait pu amener autre chose. Et demain, il y aura sûrement autre chose. Parce qu'on a plein de surprises. Oui. Ça, on ne cache pas. On a aussi du répertoire. Le répertoire, il est mis au fur et à mesure. Et puis, bah, je pense que bah, on l'a pris comme il est venu, en fait. On s'est pas trop posé de questions dans le sens où bah, ça marche super, ça marche pas, bah, on laisse de côté, on réfléchit, on reviendra une prochaine fois. C'est ça qu'on s'était dit à chaque fois. On a toujours un peu la réflexion de prendre le temps. Oui, parce qu'en plus ça reste une musique de thème. Ça reste toujours des thèmes qui ressemblent au trad qu'on veut arranger. Quoi. Et donc si ça marche, c'est cool. Et si ça marche pas, bah, on repousse. Voilà, c'est ça. On fera ça la prochaine fois. Mais le thème, quoi. Bah, à propos des thèmes, justement, terroir, que vous avez fait, peut-être pas de collectif, mais justement, d'où vous avez tiré les thèmes que vous avez, c'est des compositions, des choses que vous avez été chercher comment vous avez travaillé justement pour la création de ces thèmes? Je pense que toi déjà, t'es assez bien, j'allais dire imbibé, mais pas imbibé. Bien, tu sens les thèmes, Gwenno, il connaît parce que étant musicien et danseur en cercle depuis très longtemps, donc du coup, voilà. Maîtrise et on s'est mis quasiment tous les deux à bosser en binôme à pondre des thèmes avec un petit peu quasiment que du casino, que la compo. En fait, on a travaillé de manière simple, on a amené avec des thèmes on a proposé nos thèmes, on a travaillé tous les deux et puis on s'est dit. Avec l'harmonie, ça peut passer, ça passera pas, etc. Et puis finalement, le travail de binôme, comme ça peut être un autre travail de binôme sur d'autres thématiques, ou la technique, ou voilà, et ben on s'est bien retrouvé. Et puis ça t'évite, parce qu'en très peu de temps, on a amené des compositions, parce qu'on est quand même honnête, c'est 95 ou 90% de compositions. Et puis, pareil, comme tu l'as dit, ça marche. Bon. Ça marche pas, on verra demain. En fait, l'énergie qui était provoquée par une compo faisait le tri, en fait. Ouais. C'est, à un moment donné, on se disait, on a trouvé une grille, on a trouvé une grille qui nous plaît, on a trouvé le thème, et si ça marche pas, de côté. Mais alors qu'on avait bien travaillé le truc, pour un autre morceau, on avait fait le même taf, et puis là, ça, bam, pour nous, en tout cas, je dis pas que c'est non plus le morceau ultime, mais pour nous, en tout cas, on comprenait notre pied à jouer dessus. Ça s'impose de et alors, c'était signé, quoi. Donc, Tout à l'heure, tu parlais de la Ridée de la Turballe. Ben voilà, nous, on prend vraiment énormément de plaisir. Et la récompense, c'est voir en face, quand tu vois les danseurs qui prennent tellement de plaisir, c'est... ce soir, c'était vraiment... c'était quand même quelque chose d'assez particulier. Je sais pas comment l'exprimer, mais on a quand même une très 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 forte sensation d'échange. Et puis c'est quelque chose qui, comme on dit, il y a 2 ans et demi, personne n'aurait pensé avoir un groupe du Clientèque qui arrive comme ça, qui a l'envie, parce que je pense que c'est l'envie, d'avoir envie. Non. On allume ma vie. Voilà, j'espère.
Ah, l'hommage est passé. Moi, je retiens, c'est que vous avez des très jolis thèmes en place, efficaces, et puis vous avez vraiment du plaisir. Là, ce soir, on voyait que vous aviez du plaisir à jouer sur scène, et puis ça se transmettait aux danseurs. Je ne sais pas ce que vous en avez ressenti, justement, vous. Alors, c'était tellement particulier comme soirée, je pense qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent. Il y a du stress qui s'apaise, voilà, il y a des prises de conscience de plein d'éléments, de... Ouais, au final, c'est assez confus. Bah, pour moi, en tout cas, c'est assez confus. Toujours je prends mon pied, ça c'est clair. Toujours du fun. Je ne sais pas comment, mais en tout cas... toujours du fun quand même, globalement. On va pas sur scène reculons, quoi. Ah non, du fun, quoi. Mais là, c'est assez spécial. Ce soir, ouais. C'est vraiment spécial. Ouais. T'as tout dit, je pense qu'on était vraiment dans l'émotion. Ouais. Parce que. Il n'y a pas grand chose à. Dès le départ, c'était. Il y avait quelque chose qui était palpable en fait. Tu descends de scène et là. En fait, ce que j'ai plus ressenti, c'est quand tu descends de scène et tu vois des personnes que tu n'as pas vues depuis très très longtemps et tu te dis, putain, t'es là. Et je pensais pas que certaines personnes auraient été présentes. Je sais pas si vous avez eu cette sensation. Et là, tu dis, ah ouais. On est au-delà de la musique, au-delà de la danse, on est aussi dans l'amitié, quoi, une amitié qui est quand même assez forte, ouais, avec des gens qui sont dans la culture ou pas, hein, et qui ont été fidèles au rendez-vous. Ça, c'est. Ouais, c'est touchant. Oui, c'est touchant. Et oui, mais j'étais. Oui, mais c'est bon. Ouais. Et ben. Et ben ça sera le mot de la fin, un joli mot de la fin. Donc pour le groupe Oriaz, vous retrouvez les CD dans les bacs ou sur internet, et puis toute l'actualité du groupe donc est disponible sur leur site oriaz.bzh. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.